piste est très sinueuse, alors il se peut que la voiture soit nerveuse. Fais attention. Ah, c'est mon anniversaire! Salut tout le monde, c'est ProX Legend alias Chris le Chab. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Grid, voilà, qui est sortie il y a un petit moment. Je voulais déjà vous faire une vidéo sur ce jeu il y a déjà un petit moment, mais j'avais d'autres projets personnels. J'étais beaucoup pris dans ma vie personnelle, voilà. Alors bon, je vais vous expliquer tout ça en détail évidemment. Je passais mon permis de conduire, on va dire, c'est les trois dernières semaines. Donc j'étais à fond dedans. J'étais un peu stressé, je dois vous l'avouer, etc. Je devais vraiment me concentrer. C'est vrai que je me suis mis pas mal de pression pour le permis. Je l'ai raté une fois. Bon après c'est, j'étais en tort, donc voilà. Mais bon, je l'ai repassé hier. Je l'ai eu, donc je suis assez content. Je vais pouvoir enfin faire ce que j'ai à faire, voilà, parce que dans ma région, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez me comprendre quand on habite dans une petite région comme la Picardie, moi j'habite dans l'Aisne, quand on n'a pas de permis, on n'a pas de travail vraiment, donc ça va me sauver la vie, si je vais pouvoir enfin faire ce que j'ai envie de faire, et ça me fait vraiment plaisir. Alors voilà, aujourd'hui mon anniversaire, 23 ans déjà, je me dis putain la vache, ça a quand même passé, c'est un truc de fou, je m'en revois encore quand j'étais en 3ème là. C'est quand même un truc de fou, mais je pilote trop bien en fait là. Ouais, je suis un PGM de la conduite, donc ouais, c'est vrai que les années passent vite. Vous, je sais pas, vous avez 15-16 ans peut-être la plupart d'entre vous. L'autre, il a cru vraiment qu'il allait me doubler. Donc ouais, ça doit, je sais pas, ça me rend nostalgique quand je pense à mes 15 ans ou à mes 16 ans. C'est vrai que c'est assez, c'est vraiment un truc de fou avec le lycée, etc. Les amourettes de lycée. Le séchage de cours intensif, parce que moi j'étais un professionnel dans cette catégorie, ça je peux vous l'avouer. je pense que mes amis, on va dire, qui me connaissent vraiment, qui me voient chaque semaine, on va dire, dans la réalité, parce que là c'est un domaine virtuel, voilà, comprendront ce que je veux dire, voilà. J'ai pas été franchement un élève modèle, mais bon, voilà. C'est pour ça, si je sais que vous avez des épreuves en fin d'année, bossez vos épreuves, les gars. Parce qu'après vous allez galérer pour trouver du taf, etc. Et voilà, j'ai plutôt bien joué là cette course. Vous en pensez quoi les gars, hein? Ça mérite un pouce vert quand même. Rien que pour mon anniversaire et pour cette course, voilà. Puis pour le permis aussi, mais ça vous en battez complètement le cul. Ouais, je remercie également toutes les personnes qui m'ont envoyé un message pour mon anniversaire, que ça soit sur mon Facebook perso, mais ça je vais pas vous le dévoiler. Je l'avais dévoilé justement sur mon compte Facebook ProX Legend, voilà. J'allais ajouter les personnes qui me suivent depuis un moment. Et ils m'ont tous ajouté. Je leur parle quand je peux. Parce que souvent, je suis que de passage sur Facebook. Enfin, sur mon Facebook perso. Ou pour tout simplement faire le con. Voilà. Et voilà quoi. Donc, c'est comme j'ai dit. Bon, la vidéo spéciale 30 000 abonnés, pour l'instant, je peux pas la faire. Donc, enfin, on va dire l'occasion. Je peux pas la faire parce que j'ai pas mal de trucs de prévu aussi dans ma vie personnelle. Des trucs familiaux, etc. Voilà, après je vais pas m'étendre là-dessus parce que bon, voilà, c'est ma vie privée. Je pense pas que ça vous intéresse dans un premier temps. Et de deux, bon, je préfère pas en parler, etc. J'ai des trucs de prévu. Donc dès le moment où je pourrais vous faire ça, si c'est dans un mois, ce sera dans un mois. Je fais ce que je peux, les gars. Et je refais exactement la même course. Ah oui, c'est normal, c'est des face à face. En commentary live, conduire comme ça, je trouve que ça va encore. Je me débrouille pas mal. J'avais vu la vidéo de justement de Cruxy et JobX9. Cruxy m'avait bien fait rire. Parce que il conduisait je sais pas comment il fait pour conduire en vue troisième personne sur une voiture. Moi je suis un peu comme Benoît, voilà, comme il avait dit. Il faut qu'il soit en vue cockpit. Enfin, voilà, en vue conducteur, voilà, je vais dire. Oh putain. Sinon moi j'arrive pas à j'arrive pas, il faut que je sorte la vitesse, et quand je suis en troisième personne, je la sens pas du tout. Et j'arrive pas à réagir en fonction de la situation, voilà. Alors Grid 2, un super jeu de course. Un seul gros défaut de ce jeu, ce qui m'énerve le plus, ce qui me fait, ça m'a vraiment fait rager. Ça, je pense que Kevin ne pourra pas dire le contraire. C'est le mode en ligne en fait. C'est le bordel en fait. Vous savez, on a des bonnes sensations de jeu quand on est vraiment avec des mecs qui savent piloter, etc. Qui sont pas là pour, ils sont là pour gagner, mais ils sont fair play, c'est-à-dire qu'ils vont pas vous rentrer dedans, vous défoncer la gueule. Et pourtant, il y a des mecs. Qui s'amuse à vous défoncer la gueule dès le départ, et c'est vrai que ça me fait rager, c'est les collisions en fait. Je sais qu'on peut les retirer évidemment, mais après c'est pas, enfin voilà, vaut mieux avoir les voitures, parce qu'après c'est comme un fantôme en fait, et ça fait chier. Voilà, les collisions sont assez bizarres, sont assez cheatées je trouve. On vous rentre dedans à 20 avec une voiture qui fait 800 kg, vous avez une Dodge Charger qui fait peut-être 2 tonnes, 2 tonnes et demi.
Bon, c'est pas non plus un tank le truc, mais je connais rien en voiture, mais je connais quand même un petit peu, quoi. Je veux dire, voilà. Logiquement, bon, voilà, quoi. Je veux dire, si je lui fonce dedans à 200 km/h, le mec devrait voler dans le décor, mais c'était pas le cas. Ça m'a beaucoup énervé parce que j'ai essayé de jouer comme les gars, essayer de les faire chier. Voilà. Alors, j'aimerais bien savoir aussi, qu'est-ce que vous faites à l'école, les gars? Même vous, mademoiselle, je sais qu'il y a des filles. Ils se manifestent. Oh, PD! Ils se manifestent pas souvent, mais je sais qu'il y en a. Le mec, il a vraiment cru qu'il allait me la mettre, quoi. Donc, je sais pas ce que vous faites comme études, vos projets pour cet été, ou est-ce que vous allez partir en vacances, etc. Ça m'intéresse, voilà. Que ce soit en commentaire ou en message privé. Voilà, je lis tous vos messages, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, on va faire la demi-finale. Je vais essayer de faire une vidéo qui dure, ouais, 15-20 minutes. Pas trop, parce que j'aimerais bien le upload bah, aujourd'hui, donc on est le 12 juin, voilà. Je me répète encore, mais je crois, mais voilà, j'aimerais bien le plot d'aujourd'hui. Sachant que là, il est 16h43, je crois que ça va être un peu tendu quand même pour le plot d'aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, bah ce sera demain, c'est pas grave. Je pense que vous m'en voudrez pas trop, voilà. Alors j'attends, j'ai vu aussi des nouvelles de l'E3. Bon, vous avez tous vu les streamings, etc. Comment ? Ils nous ont présenté quand même des jeux de ouf, je veux dire, moi le jeu qui m'a plus emballé c'est Dead Rising 3 les gars, Dead Rising 3, il m'a mis une claque le truc, c'est vraiment un truc de fou, toi tu vas niquer ta maman, hop je te mets dans le décor, pourquoi j'ai pas de rétro d'ailleurs, ah bah oui c'est vrai je suis en du capot, lol, voilà on aurait un petit rétro, ce serait plus simple, donc ouais Dead Rising 3, un open world là le machin, avec j'ai jamais vu autant de zombies, on a eu la même réaction avec BGZ quand on s'est parlé, il a dit j'ai jamais vu autant de zombies dans un jeu de zombies quoi. Et c'est vrai, en plus en open world ça va être juste un truc de fou. Déjà State of Decay, je l'ai torché de chez torché le jeu. D'ailleurs ils ont fait une mise à jour, je crois, pour corriger. Waouh, les bugs. Donc à voir si ça a été corrigé. J'espère également qu'ils vont nous mettre un foutu mode multijoueur comme je l'avais signalé. Qu'est-ce qu'il y avait de beau à l'E3 aussi? Battlefield 4, des nouvelles licences. Enfin bref, vous avez certainement vu les vidéos des plus gros youtubeurs, hein, ils en parlaient, Wartech, etc. J'ai vu ça, ils ont fait une vidéo récapitulative. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller les voir, ils sont pas trop mal foutus. Ils savent de quoi ils parlent. Voilà, vu qu'ils sont présents là-bas. Donc ouais, après c'est vrai que j'ai pas trop suivi. Après Call of Duty Ghost, bon. Ce que j'en pense, hein, Call of Duty Ghost, peut-être qu'ils nous ont un petit peu amélioré le moteur graphique. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le gameplay avec le toutou, voilà. Peut-être que dans l'édition Prestige, comme dirait Luffy, on aura un caniche dedans. Qu'on pourra contrôler avec un iPad, ou je sais pas, hein, Luffy, si tu regardes ma vidéo. Enfin, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait de beau à signaler? Ouais, la Xbox One, je crois que... Ah bah oui, ils ont présenté la PS4 hier, je crois. Oui, il me semble, il faudrait que j'aille voir, justement. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la Xbox One, bien sûr que moi je vais prendre, j'achète pas la PS4, qu'elle soit meilleure ou pas financièrement, je m'en fous complètement. Moi je reste chez Microsoft, voilà, je suis un boxien, voilà, et vous êtes des... Bah, non je vais rien dire, voilà, il y aurait eu des potes, ils m'auraient dit des PlayStation Pro, mais bon voilà, là ça sent, là le mec il sent là derrière sa console, il fait « Ouais, on t'emmerde nous au moins, on a pas de live à payer Christo, t'as bien la chèvre !» Non moi j'ai rien contre les gars qui sont sur PlayStation, là. Voilà, donc vous inquiétez pas. Oh putain, faut pas que je rate mon virage, voilà, c'est nickel. Mais je me débrouille pas mal, Marie, soit toujours le même cours, je m'excuse, mais bon, c'est des face à face, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a à retenir de l'E3? Bah, c'est vrai, ils ont proposé pas mal de licences. Il y a le Metal Gear Solid 5 aussi qui a l'air grave énervé, ça va être un open world aussi. Ah bah, c'était la finale, d'accord. Donc, ouais, c'est un open world aussi. Après, bon, il y a eu plein de jeux, et c'est vrai que ça m'a pas mal emballé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une toute dernière course, les gars, puis je vais vous laisser là-dessus. Donc oui voilà, donc je souhaitais m'excuser de mon inactivité par rapport au permis les gars, mais bon, je pense que il y en a c'est le permis, il y en a c'est les examens, et il y en a c'est examen plus permis, donc voilà, il y a des choses plus importantes que YouTube, malgré que vous soyez quand même important pour moi. Putain, vous avez vu, j'ai 57 000 fans, ouais, vous êtes quand même, on dirait vous faites un peu partie de moi. J'en parlais un petit peu à des abonnés que j'ai rencontrés. YouTube, c'est assez spécial à comprendre. Il y a tout le monde qui comprend pas forcément ce qu'on veut dire. Mais je pense que les youtubeurs savent de quoi je parle. Voilà. C'est en deux manches, style de course. Ouais, je vais faire cette petite course-là. En plus, c'est à Indianapolis, c'est ça, non? Je sais pas du tout. Oui, c'est à Indianapolis. On peut customiser nos bagnoles, mais bon, ça vous le savez. J'ai pas besoin de vous le dire. Je pense que vous le savez. Est-ce que je vais changer de bagnole? Non. Moi, si. Changer un peu le style de la conduite. Je vais prendre une...
Allez, une Chevrolet. Allez, on est parti pour la Chevrolet, une petite voiture musclée. Oh, excusez-moi, mais ma voiture, je sais, c'est moche. Hein. Je sais, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi ta couleur? J'ai vraiment pas pris le temps de customiser. J'ai pas beaucoup joué à ce jeu. C'est juste que voilà, j'ai envie de faire un petit délire dessus. Un petit cours de conduite, voilà. Sachant que je suis pas un PGM, mais bon, voilà quoi. Sûr, dans la vraie vie, je vais pas rouler à 250 en ville en tapant des drifts sur le crâne d'un chat. Bah là, faut pas rêver quand même. Faut pas rêver quand même, non, je crois pas. Donc, ouais, Call of Duty Ghost, j'en reviens. Ouais, ils ont montré un peu le moteur graphique, je sais pas quoi. Bon, moi, je reste sceptique. Quand j'ai vu les images du gameplay, ça m'a fait penser à un MW3 amélioré. Bon, en même temps, c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire. Ce qui m'a le plus emballé à l'E3, les gars, c'est Titanfall, là, le jeu avec des robots, là. Celui-là, à mon avis, va envoyer du pâté sur le crâne d'un chauve. Hein. Oh putain, alors ce jeu, je pense que je vais le prendre. Je pense sur Xbox One, je vais prendre, bah, sachant que je suis un bon pigeon dans l'âme, Call of Duty, Dead Rising et... comment il s'appelle ce jeu? Je viens de le dire, Titanfall, ouais, voilà. Je vais prendre Titanfall aussi, également. Oui, je connais le topo, je dois dépasser mes adversaires. Il y a des mini-jeux aussi, il y a du drift, il y a des trucs où on peut dépasser les bagnoles sans les toucher, etc. Ce jeu est vraiment cool. La conduite est vraiment, vraiment sympathique. C'est pas trop arcade. Oh putain. C'est pas trop arcade, c'est pas trop simulation. Enfin, c'est entre les deux en fait, et ça me plaît beaucoup. Parce que vous savez, moi et la conduite, comme j'ai dit dans mes anciennes vidéos sur NFS, moi j'aime la conduite arcade, la conduite énervée, pas la grosse simulation genre à la Forza ou à la Gran Turismo. Et c'est vrai que je prends du plaisir sur ce genre de jeu. Parce que, bah voilà, c'est rigolo. Je veux dire, voilà, bon après, c'est sûr que c'est pas les NFS de l'époque, hein. Mais voilà, c'était pas. Oh putain, l'enculé quoi, quand il m'a fait décoller. Je suis quatrième, ok, c'est encore même tour, 3 tours. Ouais, je pense que je vais vous laisser après cette course. Voilà, sachant qu'on est déjà 15 minutes de vidéo, j'aimerais bien vous l'upload assez rapidement. Pour vous faire à tous des petits bisous, mes petits chevinous. En même temps, bon, on va dire, mais. Mes adversaires sont pas trop difficiles là pour le coup. Hop, je coupe le virage, voilà, virage coupé, vis ça. Ça j'avais complètement oublié, je savais pas que c'était dans le solo. Donc il va falloir que je fasse attention. Parce que moi j'ai souvent l'habitude de couper, vous savez, comme ça. Encore c'était pas un gros virage coupé, c'est pas comme si j'avais bouffé la pelouse. Mais bon, voilà, pour le jeu, c'est comme si j'avais coupé un virage, c'est disponible aussi en multijoueur. C'est assez chiant. Et ça je me démerde pas trop mal franchement pour un commentary live sur un jeu de course. Hein, voilà, c'est pas une partie de zombie non plus, il faut quand même être concentré sur la vitesse, etc. D'ailleurs, j'ai quoi comme bagnole là? Je sais plus. Ouais, j'ai la Chevrolet machin. Encore deux tours, c'est parti mon kiki! 265! Le petit drift, et voilà! Putain! Ah, j'ai poussé la voiture au max, ça s'est senti, donc forcément, la chasse et du cul, c'est de pH. Voilà, donc c'est un peu compliqué, c'est sûr. J'ai pas forcément les grosses voitures parce que c'est vrai en multijoueur, j'ai. Enfin d'après ce que mes potes ont pu voir, genre Kevin et Jordan. Eux ils jouent beaucoup en multijoueur apparemment. Et ils voient des Bugatti, etc. C'est vrai que nous on démarre, en plus les niveaux sont trop durs à passer, etc. Et puis qu'en plus les gens nous font chier. C'est pas simple quoi. Bon, est-ce que le Harrison Carter, je vais lui raser son crâne à cet enfoiré là, parce qu'il est devant, il va falloir que je le remette à sa place ce mec là. Hein, c'est le jeu des chauves, il finit toujours premier sur des courses. Voilà, là je l'ai pas coupé le virage, t'as vu mec. Je te rattrape, je vais te la mettre au fond de ton crâne chauve, allez là. Il a une bonne bagnole l'enfoiré, il a une bonne accélération là sur l'arrêt. Enfin sur l'arrêt, qu'est-ce que je raconte. Voilà, ça va être le dernier tour, ça va être tendu d'aller le chercher le mec. Faudrait qu'il fasse une connerie, oui parce que les bots peuvent aussi faire des conneries. C'est vrai que les carambolages, ils me font assez rire sur ce jeu. Donc, bon, en tout cas, j'espère que ça vous dérange pas trop, la vue capot. Hein, parce que, bon, moi, je peux jouer que comme ça. Hein, sinon, j'apprécie vraiment pas les distances. Mais ça, c'est clair. Bon, écoutez, je vais essayer de grappiller un petit peu. Voilà, on a grappillé, on grappille, on grappille. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Voilà, on va pouvoir aller chercher. Allez, on va aller chercher Christo pour les abos. Allez, pour ton anniversaire, Christo. Ah, il a chassé, il a chassé, il a chassé. Allez! Allez! Il a chassé du cul! C'est le moment! Alors là, c'est le moment, il va falloir que je le prenne à l'intérieur, c'est ici là, voilà. Voilà, je l'ai pris à l'intérieur. Allez! Oui, c'est bon! Putain, j'ai cru qu'il allait me reprendre à l'intérieur, mais bon, voilà, c'est pas un PGM de la conduite, voilà. En plus, je suis sûr qu'il y a des abonnés à moi, ils sont en train de se dire, mais tu conduis vraiment comme une merde, je te mets la pine, Christo! Et ouais, c'est vrai, je suis sûr que vous mettez la pinade. Mais bon, on va dire, j'ai quand même une petite expérience hein, sur les jeux vidéo. Non! Sur les jeux vidéo de voiture, voilà. Après, bon, pour être bon à un jeu, bah, qu'est-ce qu'il faut faire, les gars? Bah, il faut y jouer, voilà. Moi, j'y joue pas forcément tout le temps.
On va dire qu'en ce moment je suis un peu gavé de tout, j'essaie de trouver de nouveaux trucs. Je m'éclate plutôt à sortir sachant qu'il fait bon hein, dehors. Voilà, donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère sincèrement que la vidéo que je vous ai proposée aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à interagir avec ma vidéo par rapport à ce que je vous ai dit. Je vous remercie à tous de me suivre chaque jour, voilà. Et je suis vraiment très très heureux, j'arrête pas YouTube, hein, faut arrêter les conneries. Ah oui, pour info, oui, j'en ai parlé sur ma page Facebook. Si vous recherchez une Xbox 360, j'en vends une. Donc je vous mettrai un truc dans la description. Voilà, un document, enfin... Je vous mettrai tout simplement un document texte à télécharger. Alors par exemple, pour les personnes qui sont intéressées pour m'acheter une Xbox, enfin une de mes Xbox, parce que j'en ai deux. Si c'est pour m'ajouter par exemple, de toute façon je marquerai leur document texte. Parce qu'il y a des personnes sur ma page Facebook qui m'ont ajouté seulement pour me parler. Ça m'énerve. Voilà, voilà, vous voyez, enfin bref, voilà, ça me fait perdre mon temps et ça m'énerve un peu. Donc voilà, n'hésitez pas à lire le document texte. Avant de dire quoi que ce soit, parce qu'il y a des personnes qui sont là juste pour me dire ouais je parle à pour X les gens parce qu'on m'a fait le tour hier, je dis ouais ok donc je te retire et voilà quoi, je veux dire c'est n'importe quoi, voilà. Bon bah écoutez, j'espère sincèrement que ma vidéo sur Grid 2 vous aura plu, voilà, pour mon anniversaire, pour fêter un petit peu mon permis. Je vous invite à rejoindre ma page Facebook, mon compte Twitter, on fait des open lobby la plupart du temps avec mes amis, donc n'hésitez pas à la rejoindre, c'est important, on poste un petit truc dessus, etc. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou mes petits chefs, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, la partager, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine, allez salut tout le monde, ciao. Du classement à l'heure actuelle. Normal, normal.